Bonjour, alors je m'appelle Hubert Janin, je suis à l'origine du projet qui fait que l'entreprise Boarding Ring existe. J'ai développé un dispositif contre le mal des transports. J'ai développé ce système-là, donc comme je dis, à partir de la poursuite visuelle, de comprendre comment s'organise l'image dans le mouvement, ce qui est assez simple, ce qui est assez compliqué, parce qu'il faut trouver où sont les références. C'est comme ça que je suis arrivé au mal des transports. Que lorsqu'on met les lunettes, c'est une certaine manière de dire au cerveau, tu vois, c'est l'oreille interne qui a raison. Donc les lunettes, elles vont permettre d'importer à l'œil l'information que perçoit l'oreille. Donc là, on a ces deux informations qui sont cohérentes et qui vont donc informer le cerveau que c'est l'oreille interne qui a raison. À partir de là, le cerveau sait que c'est l'oreille interne qui a raison, il va donner la priorité à l'oreille interne et comme ça marche, eh bien, il va s'y tenir. Du coup, on peut enlever les lunettes. Puisque ça marche, ça va durer jusqu'au soir. On est tranquille au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on aura mis les lunettes au début 12 minutes, au bout de quelques temps, 2 minutes, ça suffit. Et en plus de ça, quand on est jeune, on va pouvoir s'amariner, c'est-à-dire ne plus en avoir besoin au bout d'environ 18 mois, si vous voulez, pour les plus jeunes, et puis peut-être un peu plus pour les plus vieux. Il y a aussi des gens qui veulent qu'on fabrique des lunettes adaptées pour le transport des chevaux dans les avions.